Hello, ma ruse de fou. Calamar cru ou cuit, c'est bon à tous les coups. Eh bien salut les amis, c'est Carmendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Yuka Watch Blasters. J'espère que vous allez tous très bien. Donc comme d'habitude, hein, pour commencer l'épisode, on va essayer de jouer au Bingo Kai. J'ai eu plein de nouvelles pièces de Bingo Kai, mais je vais pas vous dire aujourd'hui comment les avoir. Regardez, j'en ai énormément, des pièces Octorgon, des pièces Belzel, etc., etc. Mais oui, je vais pas vous montrer aujourd'hui comment les avoir parce que je vous prépare un épisode du Bingo Kai qui sortira juste après avoir battu le boss final. Et c'est un peu compliqué de trouver tous les QR codes de ces pièces, donc je vous l'expliquerai dans cet épisode du Bingo Kai. Bon, dans tous les cas, on va quand même jouer... on a combien de C? On en a 3. Jouons une pièce, une étoile, tiens. On en a beaucoup, donc on va voir. Laissez plein de pouces bleus pour me souhaiter bonne chance, hein. J'espère avoir un bon yokai. Avoir deux bons yokai, plutôt. Enfin, des bons yokai. 3, ce serait bien. Je ne sais pas, hein. Eh ben non. Eh ben non, c'est un petit peu tout pourri. Voyons voir, il y a un autre truc que j'essaye d'avoir aussi en ce moment. C'est des objets de fusion. Ouais, mais c'est un objet de fusion pour Choubidou, sauf que je ne le vois pas. Ah, il serait ici s'il y était. Ouais, donc il y est pas. Bon, bah tant pis, on va continuer d'essayer d'avoir Luminoct. Non, on va jouer des pièces différentes. On va jouer une pièce Luminoct et après on jouera une pièce d'une autre couleur, je sais pas laquelle, on verra bien. Mais je le sens pas bien aujourd'hui. Comme d'habitude, je le sens pas très bien le Bingo Kai. Bah déjà, on n'a aucun yokai pour l'instant, donc c'est très très mauvais. Allez, voyons voir si on arrive à avoir Shipper. Non mais j'ai jamais eu le yokai le plus rare avec ces pièces-là, c'est dingue. Non mais c'est une blague. Ok, bon. C'est comme si on n'avait pas joué au Bingo Kai aujourd'hui en fait. Ça n'aura servi à rien du tout. C'est pas grave, on va continuer nos missions. Donc on est parti pour... Ah oui, c'est vrai qu'on a plusieurs boss à battre dans cette vidéo. On doit battre déjà Styx et on devra battre aussi celui qui est là-haut, je sais plus qui c'est. Ok, on dépose et on part en mission. Et ben Styx 6, il est aussi nul que Carpitaine pour pêcher, hein. Ça ne change à rien du tout. Alors, on peut aller le battre directement. J'ai pas du tout fait gaffe au niveau qui était recommandé pour le battre. Mais ça m'étonnerait qu'il soit si difficile que ça. Ok, allez, on le bloque. Parfait. Allez, maintenant on peut le taper. Allez, tout le monde le tape, tout le monde le tape, tout le monde le tape, tout le monde le tape. Et... Ouh, est-ce que je peux le... Non. Est-ce que je peux le bloquer au moment où il se sauve à la fin? Non, je pense que oui, je vois pas pourquoi je pourrais pas. On va essayer. Ah, mais je l'aurais peut-être tué avant que ce soit rechargé, par contre. Ouais, c'est possible. C'est pas certain, mais c'est possible. Non. Ouf, j'ai bien évité. Non, ça aura peut-être le temps de recharger, hein. Montrez à ce minable ce que vous avez dans le ventre. Oui, on va lui montrer, t'en fais pas. Oh, bah, elle vient d'où? Il y avait une Orbonie, je sais pas, elle est apparue là, je sais pas d'où elle venait. Je vais arrêter de le taper, parce que je veux que ça se recharge. Ok, là c'est chargé. Il est presque battu là. Tapez-le. Ok, allez, je l'utilise là. Voilà, ok, très bien. Bon, il va nous donner des orbonies ou pas? Non, il me donne rien. Ah d'accord, ok, ça n'avait pas encore enclenché le moment où il nous donnait... Enfin, il nous donnait les orbonies. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Eh. Non! Arrête-toi, Styx! Eh oh! Je suis là! Oh, arrête! Pourquoi il se calme pas, lui? D'habitude, les yokai, ils finissent par s'arrêter, les boss. Ok, je l'aurai pas avec ça, hein. Ça, j'y arriverai pas. Non, mais sérieusement? Pourquoi? C'est parce que je le tape pas assez? Mais je peux pas le taper plus que ça. Enfin, il va trop vite. Ok, on n'aura pas réussi à le stopper. Bon, dommage. Maintenant que je suis ici, j'ai pratiquement gagné. C'est ce qu'on va voir. Mais je ne pense pas. C'est pas bon! Allons à l'étang du poisson-chat! Mais c'est super rapide de battre ces yokai! Et 1, 2, 3. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas les larmes éternelles dans ce Yuka Watch. Il y a...
Attendez, ok. Non mais viens ici, viens ici. Il y a... Bah, je peux pas la voir, il est trop loin. Il est trop loin. Il y a... Enfin si, il y a les larmes éternelles dans le combat contre... comment il s'appelle Woko. Enfin, non, Pot-au-feu. Mais... Mais il n'y a pas... Il y a pas la zone des limbes éternelles, quoi. Elle n'existe pas dans le jeu. En soi, on peut pas l'explorer. Alors, un ultime, vas-y. Ok, parfait. Ah, lui, il a pas son ultime de chargé. Lui non plus, d'accord. Bon, bah tant pis. Allez, on le frappe. Attendez, c'est mon champagnon qui l'a stun. Ah, il est bon, hein. Il est bon même quand c'est l'ordi qu'il le contrôle, hein. Pas mal. Allez, reviens là. Ah là, il y a un soigneur, je crois. Oui, c'est un soigneur. Faut le battre au plus vite. Mais pourquoi j'arrive... Ah, ok, il était mort. J'arrivais pas à le viser. Mais c'est normal, il était mort. Allez, à ultime. Yes, Diampat. Il a déjà perdu la moitié de ses vies, c'est ouf. Hein. Ça me paraît énorme. Il va bientôt apparaître au milieu de l'écran, là. Enfin, il va bientôt se sauver au milieu de l'écran. C'est obligé. Oui. Ah, il y va. Ah non, il y va pas, là. Non, il y va pas. On peut continuer de le taper. Vas-y. Allez. Mais là j'ai un bon niveau, hein. Je crois que mon Diamanian il est niveau 30. Je les ai bien améliorés, les yokai. Alors marée noire, c'est pas cool ça. Enfin ça va encore. Ce qui est pas cool c'est quand il va y avoir le gros poisson. Voilà, ça c'est beaucoup moins cool. Oula, il a l'air sacrément méchant celui-là, hein. Par rapport au poisson qu'il y avait pour Carpitaine, c'était le même poisson que les petits, je crois. C'est juste, enfin, il était pas si impressionnant que ça. Il était juste gros. Là, en plus d'être gros, il a l'air sacrément balèze. Vas-y. Pourquoi j'ai fait pas, je faisais quasiment aucun dégât, d'accord. Allez. On va l'avoir. Il a plus de vie là. Il a plus rien du tout. Bon, ça aurait été tranquille comme combat. J'ai un petit peu plus peur pour le combat contre Pot-au-feu, parce qu'il me semble que le combat contre Pot-au-feu dans Yo-Kai Watch Blasters, enfin Yo-Kai Watch Buster, j'avais perdu. J'avais perdu une fois, puis après j'avais réessayé et j'avais réussi. Mais j'avais pas du tout le niveau. Oh, une belle Orbonie violette. Ça vaut combien ça? 10 000? 20... Non, ah, 2100, d'accord, ok. Pas 10 000. Je me suis un peu trop emporté quand même. J'en ai demandé beaucoup trop. Et un nouveau boss de battu, c'était niveau 28 recommandé. Bah, tous mes yokai étaient niveau 28, sauf Diamanian, qui était niveau 30. En fait, les prix, ça dépend ni du temps, ni des dégâts reçus. C'est au hasard, en fait. C'est au hasard qu'ils sont distribués les prix à la fin des missions. J'ai regardé une vidéo sur internet qui expliquait ça. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on n'a jamais vraiment ce qu'on veut, même quand on a l'impression d'être super rapide. Bah, Porcinator, c'est lui qui reste. Donc, en fait, ils sont tous au même niveau, hein. C'est tous niveau recommandé 28. J'espère qu'on va pas trop galérer quand même contre Pot-au-feu, hein, mais ça risque d'être dangereux. Hein. L'Orbe de Tour ! Ordinateur ! Porcinator, le gros show Terminator. C'est ouf. Il est par en bas. Je vais suer un peu avant de prendre mon bain. Ok, si tu veux. Oh non, il est hors de contrôle. Arrêtez-le maintenant. C'est ce qu'on va faire, mais d'abord je me débarrassais quand même du petit yokai qui était là, parce qu'il servait à rien du tout. Oh non. Ah mince, j'ai pas réussi à poser mon piège. What? Arrête, on peut pas annuler. Oh non. Viens ici, Porcinator. Ok, d'accord. Quoi? Il a pas activé le piège, j'ai pas compris. En fait, comme il est... Ah, c'est peut-être parce qu'il est passé en volant, enfin en sautant, ça a activé le piège, mais ça l'a pas activé sur lui, en fait. D'accord. C'est un petit bug, je pense. Mais bon, bah tant pis. Aïe. Okay, allez. Je pense que je vais l'avoir avec Diamanian. Diamanian, il me paraît quand même un petit peu plus fort. Oh non. J'ai débloqué un nouveau pouvoir pour Diamanian. Je sais plus trop ce que c'est, mais je suis même pas allé voir d'ailleurs. Je suis même pas allé voir ce que c'était. Ça se trouve, c'est intéressant. Faudrait que j'aille faire un tour. Enfin, Diamanian, il est super fort. En même temps, c'est un rang A, alors que les autres, ce sont des rangs B. Oh, c'est bien. Ok, parfait. On l'a eu, Porcinator. What? Miaou, Kaye, il rentre chez lui. Bah, on dirait bien. Ok, c'est bon, il s'est arrêté, parfait. Oh là là, les Orbonies. Voilà, j'en ai beaucoup plus que dans la dernière mission, parce que dans la dernière mission, quand même, c'était un peu lamentable. Hein. Les Orbonies bonus. Quoi? Mais pourquoi elle est pas venue vers moi?
Bon, c'est nul quand il se passe ça. J'en suis à combien? 1281. Ah ouais, c'est pas mal ça. Allez. À une époque, j'utilisais les âmes ultimes. Enfin, dans Yuka Watch Buster, j'utilisais les âmes ultimes à ce moment. Parce que ça peut aussi faire apparaître énormément d'Orboni. Mais bon, c'est peut-être mieux aussi de le taper comme ça et de garder les âmes ultimes pour le vrai combat. Hein. Parce que pour le coup, là, tu peux pas perdre. Là, tu peux pas perdre contre lui. Il est où? Il est là-bas. Non, j'ai plus de course. Vas-y. On est déjà à plus de 2000, quoi. Mais on va finir la mission, on sera à 5000 ou quoi? Non, peut-être pas, quand même. Non. Mais il y a des boss comme ça qui s'essoufflent jamais, alors qu'il y en a, ils s'essoufflent trop vite. Ah, c'est bon, il est déjà arrivé. Quand on est fatigué, rien ne vaut un bon bain. Ouais, c'est ça. Porcinator est dans les bains publics, chef. On sait. Préparez-vous à un combat difficile, soldat. En avant. Ça ne téléporte pas immédiatement. D'accord, ben on y va. Ouais, il faut d'abord aller à la porte. Petit cochon qui fuit au paradis. Porcinator. Ok les amis, c'est parti pour battre le boss Porcinator. Qui comme je l'ai dit n'est pas si difficile que ça, il me semble c'est la même chose que Crochot en fait. Et vu que j'ai largement le niveau, ça devrait aller. Ah bien, il l'a bloqué, parfait, il l'a bloqué juste quand il fallait. Par contre, la caméra, elle est super mal placée, là. Je sais que pourtant... Enfin, oui, là, c'est mieux. J'espère juste qu'ils vont pas encore faire les débiles et qu'ils vont pas se jeter dans l'eau. Parce que ça, ils le font à chaque fois. Non. Venez avec moi, venez. Venez. Non, ils s'embêtent. Ils se jettent dans l'eau bouillante. Ils comprennent vraiment pas, hein. Attendez, il est en train de réactiver encore de l'eau bouillante. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est juste ici. Oui, ils ont l'air quand même moins bêtes qu'ils ne l'étaient dans le premier combat que j'avais fait. Enfin, contre Crochot. Contre Crochot, ils étaient vraiment pas mal. Hein. Non. Allez, vas-y, booste-toi. Très bien. Oh là là. Ok, super. Propre porc, c'est quoi cette attaque? Non. Ah, je croyais qu'il allait aller dans l'eau. C'est mieux quand il reste ici. J'ai même pas besoin d'éviter ses attaques en fait. Tellement on a de vie. Là je devrais peut-être. Non. Vas-y, la multime. Non. Ah c'est bon, j'ai pas utilisé la multime. Ah j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais l'utiliser juste quand il fallait pas. Mais bloquez-le là, bloquez-le. Attends, la multime. Je l'ai pas là. Ah non, je tirais à côté mais j'étais pas en train de l'avoir. Est-ce qu'on peut le finir avant qu'il aille se jeter dans l'eau? Ouais, je pense que oui. Vas-y, toi, la multime. Un ultime aussi. Ah c'est bon, on l'a eu, ok. Non parce que sinon après il allait se jeter dans l'eau et il regagne des vies il me semble quand il est dans l'eau de feu. Donc il vaut mieux pas. Ah non, j'ai gagné un objet. Ah bah la ficelle porcinator c'est bien je crois, c'est rare non? Non parce que en vrai je voulais gagner des orbonies. Mais la ficelle porcinator il me semble que c'est un truc qui est plutôt rare. Donc enfin y'a que lui qui peut la donner. Alors que les orbonies n'importe qui peut les donner. Donc c'est plutôt cool en fait, je suis content. Combien de bonus on a? Ah pas beaucoup hein. On n'a pas eu 5000. Non, on était un peu en dessous. Génial. Le quatrième prix. Waouh. J'avais déjà la ficelle porcinator. Pourquoi ça m'a pas marqué nouveau? Ça m'étonne. On a vaincu tous les... Non, c'est Whisper qui parle. On a vaincu tous les yokai perfides dans le vieux Grand Val. Quoi? Mais c'était pas des yokai perfides. Attendez, vous êtes en train de me dire que Porcinator, c'est la version perfide de Crochot? Mais non. Je crois que c'est la traduction qui a dû s'en mêler, hein. Il nous reste juste à sceller les larmes éternelles, maintenant. Oh oh, il y a un problème. Les gars, on sait enfin où se trouvent les larmes éternelles. Elles sont à l'ouest de la ville, sous les plaines plein pot. Ok, allons vite aux plaines plein pot. Mais j'ai aussi de mauvaises nouvelles. Oui. De mauvaises nouvelles, comment ça? Un yokai désastreux a émergé des larmes éternelles. Le légendaire yokai malfaisant, Pot-au-feu est de retour! Tourne-boulant, Pot-au-feu! Le yokai world et le monde des humains n'ont jamais fait face à un tel drame! Pot-au-feu a quitté les larmes éternelles! Oh non. Oui, et il est maintenant en train de saccager les plaines plein pot! Bon, nous devons le combattre avant qu'il ne fasse plus de dégâts! Allons-y. Compris!
Je me souviens qu'à l'époque ça m'avait fait super peur ça. Parce que à l'époque on avait joué au Yokai Watch 1. Et dans le Yokai Watch 1, faut pas oublier que Potofeu c'était le yokai ultime quoi, le boss ultime, le plus difficile. Même quand t'es niveau 99 c'était chaud. Et là on le combat alors qu'on est quoi au chapitre 8. Donc ça m'avait fait super peur. Et c'est vrai que, en fait il est pas si difficile que ça. C'est juste que déjà faut comprendre. Et il faut pas faire n'importe quoi en fait. Et il faut avoir le niveau, qui niveau 31. Ça peut peut-être le faire. Bah, sinon je recommencerai mais on va voir. On a quand même rarement vu Pot-au-feu en dehors des limbes éternelles. Je n'arrive pas à y croire que Pot-au-feu se déplace aussi rapidement. C'est vrai, c'est vrai. Oh lui, je veux bien devenir son ami. La cigaz, oui, il veut pas. Non, il veut pas. Il veut pas. Enfin, fonce vers une zone de désamorçage. What? Elle est où? Elle est en bas. Ok, d'accord. Alors le mec, il m'a déjà ensorcelé alors que le combat vient de commencer. C'est génial. Mais il m'a fait des dégâts de ouf. En même temps, je me suis pris son truc super mauvais là. Ah, et en plus, je prenais des dégâts pendant que... Ah ouais. Oula. Oh non, il est chaud, la Pot-au-feu. Attendez, je vais lui poser un piège. Si j'arrive à le poser. Ok, super. C'est bon. Pot-au-feu est neutralisé pour l'instant. Mais il prend pas beaucoup de dégâts. Hein. Une barrière d'attaque s'est formée. Oh non, 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 non. Ouf. Je me suis sauvé quand il fallait. Ah bah oui, là, il prend plus de dégâts. Ah, il prend plus de dégâts pour l'instant. Enfin, il prend des dégâts, mais qu'avec certaines attaques, en fait. Ah non, quand est-ce qu'il va rechanger, là? Il rechange pas, hein. Faut lui faire des attaques élémentaires, mais je crois que j'en ai pas d'attaques élémentaires. Dianyan, il en a pas? Non, je crois même pas, hein. Je peux lui faire zéro dégâts à Pot-au-feu, c'est chaud. Ah, c'est bon. C'est bon. Okay, non, 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 non. Ouf. Allez. Vas-y, 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 vas-y. On a bientôt la multime. Je l'ai dans quelques secondes, là. Faut pas qu'il change. Non, c'est bon, il change pas. Allez, yes. Ok, on lui a fait sacrément mal. Ça, c'est cool. Oh, non, 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 non. Il va me faire mal. Oh. Ouais, il fait vraiment mal. Hein. Là, il y a le laser. Oh, le laser, ça fait pas grand-chose, en fait. Je m'attendais à un truc pire. Oh, il a déjà perdu plus de la moitié de sa vie. Hein. Eh ben non, il rechange. Bon, bah maintenant, faut attendre qu'il se remette... Oh, oh, quoi? Il y a quelqu'un qui a... Corniak, viens, Corniak. Corniak, il a l'espèce de bombe au-dessus de lui. Corniak, c'est juste à côté, c'est juste là. Corniak, qu'est-ce que tu fais? J'aurais dû diriger Corniak. Je vais mourir. Ok, je suis en train de perdre toutes mes vies. Ok, non, non, sauvez-vous, sauvez-vous, sauvez-vous. Ouais. Oh là là, la vie que je perds. C'est bon, il est ranimé, mais maintenant, il faut que je me sauve vers la zone. J'y arriverai pas, hein. J'y arriverai pas, c'est trop loin. Ah, c'est bon. Heureusement qu'il m'a redonné des vies. Ouf! Attendez, Diamanian est mort? Il est où? Ah, il est juste là. Oh, mon dieu, c'est chaud, hein. Je crois que c'est encore plus chaud qu'à l'époque où je jouais à Yokai Watch Buster, hein. Diamanian, faut qu'il regagne des vies. Ah, c'est bon, on peut l'attaquer, là. Attendez, je vais le piéger. Voilà, parfait. Oui, ok, c'est bon. Pendant ce temps, il a redonné des vies à Diamanian, c'est cool. Non, non, on s'en sort! Aïe, 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 aïe. Faut se dépêcher de le tuer avant qu'il puisse changer de forme. Enfin, changer de barrière. Non, il change maintenant! Ah, la malchance! Il lui reste plus de vie, quoi! Il lui reste rien! Attendez. Non, 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 non. Corniak, est-ce que tu peux faire des dégâts avec ça? Non, il fait pas de dégâts. Hein. Non, il fait zéro dégâts, là, au boss. Bon, dans tous les cas, on l'a très 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 bientôt, donc il suffit juste de survivre. La prochaine fois qu'il va changer, on l'aura. S'il était vraiment malin, là, le Pot-au-feu, il changerait pas de bouclier, en fait. Parce qu'il devrait avoir compris qu'on a aucune attaque élémentaire. Donc, mais non, il comprend pas. Tant mieux pour nous. Ah, oh, je me suis jeté sur son truc. Ah, c'est bon. C'est bon. Allez. Ok. Est-ce qu'on a battu Pot-au-feu? On dirait bien. Mais sauf que non, il y a une autre phase. On est devenu vraiment... On est vraiment devenu fort, hein. Oui, mais il y a quelque chose qui cloche. En effet. Il n'y a pas de vie. Ok, oui, ça ouvre le passage. Mais il n'y a pas de truc qui redonne de la vie, genre des boulettes de riz. J'en aurais vraiment besoin, là, pour le coup.
Réellement? Non, sérieusement, il n'y en a pas? Au rapport, la barrière a disparu. Le miroir protecteur qui se trouve derrière est une porte vers les larmes éternelles. Je sais, je sais. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas de trucs qui nous redonnent des vies. Hein. Là, j'en aurais vraiment eu besoin. Scarasol, allez. Oh. Minerve, les yokai qui se protègent, ça ne sert à rien. Vous pouvez même pas m'attaquer pendant que vous vous protégez. C'est utile quand vous êtes plusieurs, mais pas quand il n'y en a qu'un seul, quoi. Ça sert à rien. Allez, Scarasol, t'as plus de vie, là. C'est bon, t'es mort. Allez, et... Ok, très bien. Et on n'a pas beaucoup de d'Orboni. Hein. En même temps, on n'a pas pu courir après Pot-au-feu. C'est l'un des rares yokai après lequel on ne court pas. Vas-y. Oh, il arrête quand son bouclier? Ok, toujours pas. Ils ont vraiment décidé de nous mettre que des tanks, là? Ah non, je vais mourir. Hein. Ok, merci. Merci. Là, j'allais mourir, j'avais plus de vie. Hein. Mais pourquoi il est parti attaquer l'autre? Ok, il y a l'un de mes yokai qui est parti attaquer l'autre tout seul. Volatrice ne peut pas se protéger, il me semble. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça rend le combat quand même beaucoup plus facile. Ok, je vais prendre Gamanian. Gamanian, il peut faire quand même plus de dégâts. Donc c'est mieux. Allez, Bushido, il peut pas se protéger, je crois. Hein. J'en sais rien, je crois que c'est la première fois que je le rencontre. Chimpanian va mourir. Oh là là, galérer maintenant, c'est vraiment pas bon signe. Pot-au-feu est beaucoup trop fort pour qu'on puisse se permettre de galérer maintenant. Non, j'ai pas besoin de me charger. Pas de loup. Et attaque Gamanian, c'est lui que tu devrais le plus attaquer, c'est pas mes autres yokai. C'est bon, je crois que c'était le plus simple en fait, pas de loup. J'avais même pas besoin d'aller là. Non, je pouvais monter directement par là. Haha, le miroir vers les limbes éternelles. Vous allez pénétrer les limbes éternelles. Allez-y, éliminez Pot-au-feu. C'est ce qu'on va essayer de faire. Non mais c'est le yokai malfaisant, le yokai ultime, et quand il arrive, il dit « Salut !» Non mais il y a des trucs qu'ils ont pas très bien choisi quand même. Hé hey, on peut lui faire des dégâts maintenant? C'est cool. Je trouvais que c'était le moment où on pouvait pas. Ah mince, faut que j'aille dans la zone de désamorçage au plus vite. En plus, il y a que moi qui me le suis pris, quoi. C'est super mauvais. Les Fezanian, je l'ai pas pris. Fezanian, tu te l'es pas pris quand même. Je crois que Fezanian se l'est pris. Non, non. Mais pourquoi il perd des vies comme ça, Fezanian? Mais si, Fezanian, il se l'est pris. Fezanian, va te planquer dans... Mais mince! Je comprends rien à la map. Ok, d'accord. Je comprenais rien du tout à la map. C'est juste horrible. Alors, il faut le ramener au plus vite. Ok, c'est bon. Maintenant, il faut qu'il regagne de la vie. Qu'est-ce qu'il fait, là? Une puissante attaque vient vers vous. Ah, c'est vrai qu'il faut éteindre les trucs, non? Non, il faut les protéger, je crois. Je sais plus. Ces pierres nous protégeront des attaques de Pot-au-feu. Et donc... What? Il me semblait que les ennemis devaient nous attaquer, mais non, peut-être pas tout de suite en fait. C'est peut-être pour la prochaine attaque. Allez. Ok, on lui fait quand même sacrément mal. Si je me prends pas trop de mauvais dégâts, ça va y aller. Si je me prends pas ça par exemple. Ah non, ça c'est pas grave. C'est ça qu'il faut pas se prendre. Venez là, venez là, venez là. Mais ils comprennent rien, les ordis, ou quoi? Non, mais les ordis, ils rigolent. On est d'accord, ok. Fezanian. Fezanian, tu vas... ici, ok. Et on rappelle ce yokai. Ils comprennent vraiment rien, les ordis. Hein. C'est le genre de combat qu'il faut faire avec des vrais gens, en fait, pas avec des ordis. Ok. Alors, je me désamorce. J'étais le seul à être envoûté. Ouais, j'étais le seul à être envoûté, ok. Je crois, hein, j'espère surtout. Ok, on peut le taper. Non, 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 non. Ouh, non, je me suis jeté dessus. C'est une blague. Allez. Il arrive bientôt à la moitié de ses vies. Enfin, il a bientôt perdu la moitié de ses vies. Il va relancer son attaque. Oui, je sais, je sais, je sais.
quelque chose attaque les pierres. Ouais, donc il faut tuer tous les yokai qu'il y a autour, sinon on peut pas se protéger de son attaque. Des bombes au feu, c'est trop mignon. C'est trop mignon, des bébés potes au feu. Non, 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 non. Ok. Il y a un délai avant qu'il attaque, heureusement. Très bien. Non, ils ont détruit une pierre. Ils ont détruit une pierre, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Ils en ont détruit une autre. Mon dieu. Ça veut dire qu'on va se faire avoir ou pas? Non, je sais pas avoir. Ah non, en fait, il faut que toutes les pierres soient... En... Enfin, il suffit qu'il y ait une pierre en vie et c'est bon, ça marche. Bah écoutez, tant mieux. Âme ultime. Ok, bien, pat, super. Bon, maintenant, faut l'éviter. Faut se sauver. Faut se sauver, ça sert à rien, on peut plus lui faire de dégâts. Mais eux, ils ne comprennent pas. Vous m'entendez ou pas? On peut lui faire des dégâts? Attendez, il est bleu, on peut ou pas? Ah oui, on peut. On peut. Je savais pas que c'était le bon moment, ok. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas s'il se TP ou s'il fait... Non, ok, il se TP. Je croyais qu'il faisait sa super attaque. Ok, là il fait sa super attaque. Là en fait, le meilleur moyen de défendre tout ça, c'est de chacun se mettre à un côté. Hein. Ok, attaquez celui là-bas. Moi j'attaque lui. Celui-là, attaquez-le. Moi j'attaque l'autre. Ah, pourquoi il a éclaté tout seul l'autre? D'accord, ok, il y en a un qui a attaqué au loin, pourquoi pas. Enfin, qui a éclaté au loin, ça va exploser. Surtout que j'ai plus de vitesse. Enfin, j'ai plus d'endurance, surtout. Non, non, faut se mettre dedans, faut se mettre dedans. Ouf. Oh, l'orbe G. Ok, très bien, très bien. Déjà, j'ai mon âme ultime. Et en plus, je fais beaucoup plus de dégâts. J'ai des meilleures stats. Oh là là, ça tombe trop bien. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Non. Il se protège juste au mauvais moment, il avait plus de vie là. Ah non, 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 vous faites pas avoir. Oh, qui s'est fait avoir? Et lui s'est fait avoir. Donc je l'emmène dans la zone. C'est très bien, et c'est le seul. J'espère. C'est quand il a les yeux bleus que je peux l'attaquer. Quand il a les yeux rouges, je ne peux pas. Allez, redonne-toi les yeux bleus là. Oh non, 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 non. Non, il veut pas, hein. Il veut pas. Aurait-il compris? Je ne pense pas, mais bon. C'est quand même sacrément embêtant. Ah, c'est bon. C'est bon, on va l'avoir. Il a plus de vie, il a plus de vie, il a plus de vie. Et c'est bon! Oh mon dieu! J'ai réussi à battre Pot-au-feu. Je n'en reviens pas! Waouh! Il était chaud. Il était chaud, ce boss. Il me donne quoi comme objet? Rien? Ah si. Saleté de Pot-au-feu. D'ailleurs, oui, saleté de Pot-au-feu, c'est bien le cas de le dire. D'ailleurs, on peut devenir ami avec Pot-au-feu dans le jeu. On pouvait dans Yokawatch 2, alors je pense, hein. Je sais pas. Et on passera en 8. Donc ça veut dire qu'on arrive à un prochain chapitre, là, juste après. Ah, pas mal. 2000 de bonus, c'est cool. Mais bien sûr, j'ai pas un super prix, hein, fallait s'y attendre. Oui, on sauvegarde. Je veux pas refaire Pot-au-feu, pas maintenant, pas maintenant. Merci tout le monde, vous avez enfin rétabli la paix dans le vieux Grand Val. Oui. Alors Vernian, c'est quoi la suite? Eh bien, je pense créer ma propre équipe de blasters, ici, en ville. Wow. Donc c'est genre nous qui avons inspiré la première équipe de blasters à exister, waouh. Waouh, c'est une super idée. Mais avant de pouvoir faire ça, j'aimerais vous demander si je peux me joindre à vous. Eh ben c'est maintenant, j'ai envie de tout savoir sur les blasters. Et pourquoi d'ailleurs il nous a pas rejoint pour le boss? Parce qu'il... Je te couvre. Il nous a aidé pendant tout le chapitre, sauf pour le boss et pour la première mission. Mais c'est parce qu'il s'était trompé, il croyait qu'on était méchants. Yes, un nouveau yokai. Tu es devenu un disciple de confiance. Un disciple, un grand vétéran. Comment ça? Hé, regarde-moi ça. Auvergnan crée l'association des Yokawatch Blasters, peloton du chat rouge et escadron du chien blanc. Après la bataille contre Pot-au-feu, Auvergnan a lancé un appel à tous les yokai et créé l'association Blasters. Ok. Je suis surpris que tout ça se soit passé à cette époque-là. Est-ce que le peloton du chat rouge et l'escadron du chien blanc existent toujours? Quoi? C'est toi qui as créé le peloton du chat rouge et l'escadron du chien blanc? Oui, pour ne pas oublier toutes les choses importantes que vous m'avez apprises. Non mais il l'a pas encore créé là justement, il va retourner chez lui pour le créer. Il y a des petits anachronismes là. Tout ce que m'a enseigné Jibanyan et sa passion brûlante pour la justice. Et comme Hassan, dont le cœur est blanc et pur, comme un nuage.
Et attends une minute! Je comprends que tu aies choisi Zibanien pour le peloton du char rouge, mais... Oui? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui! Pourquoi tu ne m'as pas choisi pour l'autre si tu avais besoin d'un gentil yokai blanc? C'est vrai, c'est vrai. Tu aurais pu l'appeler l'escadron du Valet Blanc, non? Mais non, mais non. Désolé Whisper, mais il y a une très bonne raison à cela. L'escadron du Valet Blanc, c'est vraiment nul comme nom. C'est vrai, c'est vrai. Quoi? J'aime pas du tout ça, l'escadron du Valet Blanc. Je compte sur vous, les gars. Parfait. Chapitre terminé. Prochainement, dans Yo-Kai Watch Blaster. RDB, roi des blasters. Le roi des blasters. C'est une compétition géante auquel toutes les équipes Blaster participent pour déterminer qui est le meilleur. Bah moi, je suis le plus grand fan de Next Armia Oni, ça compte? Tu m'écoutes quand je te parle? Chapitre 9, être les Blasters ultimes. À ne pas manquer. À ne pas manquer les amis. Dans tous les cas, si cette vidéo de Yo-Kai Watch Blaster vous a plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut !